Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation des bœufs en course. Alors bœuf, il faut savoir que c'est un terme générique, mais c'est une marque, bœuf. Mais on appelle ça aussi des foulards ou des tours de cou. Donc moi j'en utilise sur toutes mes courses, j'en ai un, voire plusieurs. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on les utilise et en quoi c'est intéressant. Alors c'est autant intéressant en été qu'en hiver pour différentes raisons. C'est hyper léger, alors moi ça c'est un skins. Mais ça, c'en est deux que j'ai gagné sur des courses et ils sont aussi efficaces les uns que les autres. Enfin, je trouve pas qu'il y en ait qui soient plus efficaces que d'autres. C'est vraiment tous aussi efficaces les uns que les autres. Alors, première utilisation, moi je les mets comme ça autour du poignet, j'enroule un tour et voilà. Donc, ça me sert de, pour essuyer la transpi tout simplement. Et du coup je peux l'utiliser comme ça. Savoir que la transpiration quand ça coule dans les yeux, c'est vraiment très très désagréable avec le sel qui sort de la transpiration. Ça peut faire mal et si on se frotte les yeux, voilà, ça fait vraiment mal aux yeux et sur du long, ça peut être très gênant au bout d'un moment. Ensuite, on peut aussi l'utiliser, comme son nom l'indique, en tour de cou. Voilà. S'il fait froid, on peut le monter sur le nez comme ça, parce que du coup ça va faire qu'on va respirer de l'air qui va être plus chaud et du coup nos poumons vont vraiment apprécier. Ça va leur permettre d'éviter de dépenser de l'énergie à réchauffer cet air. Voilà, chaque énergie gagnée, c'est déjà ça de prix. Ensuite, donc ça c'est la façon dont j'utilise le plus souvent, c'est en le mettant donc en bandana quoi. Autour de la tête. Alors vous pouvez l'utiliser de différentes façons, différentes manières, sur les oreilles, pas sur les oreilles, là t'as l'air d'un peu d'un Mickey. Ensuite, y en a qui font aussi un bonnet avec. Y en a qui laissent dépasser ça pour faire une espèce de cuchette derrière. Après ça c'est des questions de goût et de style. Vous pouvez également les cumuler, alors en mettant, comme vous avez vu sur la photo de présentation, un par-dessus et un là, comme ça. Voilà. Donc là, du coup, quand il fait vraiment bien froid, et ça fait que vous êtes hyper protégé. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de parties de peau qui ressortent. Il ne manque plus que les lunettes et là, on est pas mal. Voilà. Donc c'était une courte vidéo, j'ai pas vraiment de modèle spécifique à vous présenter, mais en tout cas la marque Bœuf en fait des très jolis, moi j'en ai pas, mais ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description, ils font des trucs assez stylés. C'était tout pour la petite présentation des Bœufs en course à pied et en trail, que je vous recommande vraiment, ça pèse rien et ça peut vraiment vous rendre service sur des trails. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien et le commentaire si vous avez une question. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.